Dépêche-toi, les sudistes entrent dans la ville. Allez, en route, et vite. Il a une double paroi d'acier. C'est un jeu d'enfant pour toi. Courage. Thank you.
Droite, gauche, droite. Colonne à droite. 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 Gauche, droite, gauche. Oui, celle que j'aime est loin, très loin. Essaye. Allez, vas-y. Joue quelque chose. Est-ce qu'il joue aussi bien que moi? Tu vas voir. Salut. Mes amis ont apporté la marchandise. Vous avez l'argent? Montrez d'abord la marchandise. D'accord. Allons-y. Brown! Allez-y, allez contrôler. Cotillé. Payé. Vous devez pas être très fier de vous. Ma main gauche ignore toujours ce que ma main droite fait de l'autre côté. Yeah! Hey! Hey! J'espère que vous avez réfléchi à ce que vous pourrez dire à la cour martiale. Vous croyez que c'est interdit? On a juste fait sauter des hommes de l'armée ennemie. Non seulement vous vous êtes fait payer, mais surtout vous leur avez donné des munitions et des armes volées à votre régiment. Des renforts, voilà ce que je demande. Pour vaincre nos ennemis, il me faut des renforts. Nous avons deux régiments de volontaires qui actuellement s'entraînent au Texas. Mais nous n'avons pas d'armes. Moi, je sais où nous pourrions en trouver. Mon général, où espérez-vous en découvrir? Au Mexique, des fusils anglais contre de l'or. Et de l'or nordiste, qui représente une partie de notre butin. Partez dès l'aube, Major Lloyd. Le sort de notre armée dépend de cet or. Vous, monsieur, envoyez-moi vos volontaires.
Et dites au gouvernement que les nordistes auront une surprise désagréable sur ce front. Mettez-la sur le chariot. Oui, Major. On est en train de charger la dernière caisse. L'or des nordistes servira contre les nordistes. Les combattre avec leur argent, je trouve que c'est amusant. Hé, hey Brent, on va s'en aller. Belle pièce, hein? On n'a jamais vu des comme ça. Si, il y en avait une toute pareille dans mon ancien régiment. Et toi, je suis sûr que tu ne t'es jamais servi d'outils de ce genre. Hé, hey. Oh, réponds quand je te parle. Il est muet, il ne peut pas te répondre. Eh bien, nous allons partir. Excusez-moi, Major, c'est une simple formalité. Mais oui, bien sûr. La guerre est finie. Yeah! En avant! Je ne peux y croire. Mon aide de camp, mon meilleur ami, un valeureux officier qui, pour quelques caisses d'or, s'est transformé en un vulgaire voleur et en assassin. Portez le sergent à l'infirmerie. Cet or est très important pour nous. Peloton, en avant! Nous devons le récupérer très vite. Puissant et miséricordieux. Je sais que nous ne valons pas grand-chose, mais si tu veux bien nous donner une preuve de ton ineffable bonté, fais-le, Seigneur. Bonjour! Seigneur, je t'en prie, le temps presse. Halt! Arrêtez! Suspendez l'exécution! Ordre du général Ciblet. Fidel Ramirez, dit le Mexicain. Un voleur de chevaux, général. Je connais un de ses exploits. On dit qu'il força un escadron de cavaliers à revenir à pied, ce qui leur fit beaucoup de bien. Still Donnay, un futur prêtre. Expulsé des rangs du clergé pour conduite indigne. Caractère trop impulsif. Un fidèle ayant blasphémé dans l'église, il fit sauter sa maison. Qui entend blasphémer entend la voix de Satan. Chattanooga, Jim. Le Robin des Bois de Chattanooga. Il volait les riches pour donner soi-disant aux pauvres. Mais en réalité, tout restait dans ses poches. Est-ce exact? Évidemment, mon général, tout ça est vrai. Mais j'étais le seul pauvre de Chattanooga. En tant que soldat, je vous considère comme de vulgaires voleurs. Mais je crois aussi que des voleurs de votre espèce pourraient servir honorablement la cause du Sud. Connaissez-vous le Major Lloyd? Votre aide de camp? Un très bon officier. Oh oui, c'est un vrai fils de Dieu. Taisez-vous, c'est un sale individu.
Il nous a volé un chariot plein de lingots. Et les sudistes ont besoin de cet or. Vous allez partir immédiatement avec le lieutenant Logan. Si vous rapportez ce trésor, vous aurez la vie sauve. Mais une prime si vous capturez Lloyd. En avant, marche! Et mon général? Logan, ces trois hommes ne seront plus utiles qu'un régiment. Ils flairent l'or à 100 km, comme un chien de chasse sans le gibier. Quant à vous, lieutenant, vous avez également une excellente raison de capturer Lloyd. Je ne ferai que mon devoir de soldat. Je vais vous montrer un rapport dans lequel Lloyd vous accuse de travailler pour nos adversaires. C'est indigne d'un soldat. Je le retrouverai ou j'y perdrai la vie. Tiens, vieux frère. Je vais sceller les chevaux. Nous, on n'a pas besoin d'uniforme. Il se repère à un kilomètre. Et Lloyd est un bon tireur. Hé, hey, les amis! Ah! Regardez! Ceux-là sont plus dignes de nous. Reste là! Hé, hey, où allez-vous? Excusez-moi, mon lieutenant, je vous avais pas reconnu. Laissez passer! On va maintenant, mon lieutenant. Oh, cette direction me fait supposer qu'ils vont prendre la piste qui mène au Mexique. L'inconvénient, c'est que des pistes, il y en a quatre. Il y a quatre pistes et il y a quatre évangélistes. Nous aussi, on est quatre. T'as trouvé des traces? Non, rien. Ah, eh bien, le lieutenant a eu plus de veines. Ils sont passés par le Grand Canyon. Ah, vous en êtes sûr? Regardez ces cartouches, c'est une preuve. Elles proviennent de la mitrailleuse que Lloyd a volée. Mais il n'y en avait qu'une dans la brigade du général Sibley. Eh bien, de mon côté, j'ai trouvé ça. 13e Virginia, c'est bien le régiment du Major Lloyd. La casquette sur une piste et les cartouches sur l'autre.
Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? On essaie de nous rouler. Car moi qui ai passé ma vie à cheval, je suis prêt à parier qu'il n'existe aucun type qui abandonnerait sa selle en s'enfuyant. Fidel ne se trompe pas, et si vous voulez le croire, on retrouvera Laure et Lloyd sur la piste de Green Valley. Green Valley? Allons, vous savez que Steele l'a déjà parcouru et sans rien découvrir. Oui, je le sais. Ouais. Les pistes, c'est comme certaines femmes. Plus elles sont fréquentées, et moins on s'en aperçoit. Ramirez. Il n'y a que les chevaux en ont assez, et nous aussi. Il doit bien y avoir une auberge dans ce pays. Vous oubliez Lloyd. Soyez tranquille. On l'aura. Dis-moi, c'est pas toi qui as fait tout ça? Alors qui c'est, hein? Oh, menteur. Lloyd et ses hommes ont dû s'arrêter ici. Ils ont fait manger les chevaux et ils sont partis. Je pense qu'il y a à peu près 12 heures. Parce que d'après ce que j'ai vu, plusieurs chevaux ont laissé des traces. On croirait que tu étais présent. Hein? Un cheval me l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a du monde là-dedans. On va pouvoir manger. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose à boire et à manger? Mais oui, c'est avec grand plaisir que Madame Louisa vous servira les poulets et la bière, les meilleurs du monde, et tout ce que vous désirez. Servez-vous donc tout seul. Est-ce qu'il est venu aujourd'hui des militaires sudistes? Bien sûr, vous savez, Madame Louisa reçoit sudistes, nordistes et mexicains. Ils passent tous par ici. C'est un endroit célèbre. Une fois, on a même reçu un président. Je n'ai pas encore fini de dire ma prière. Ici, vous verrez le plus beau paysage du monde, un climat idéal, froid.
Lorsque Steele aura fini de prier et Ramirez de jouer de la guitare, on se décidera peut-être à quitter Madame Louisa. Rien de presse, lieutenant. Lloyd a une petite avance sur nous, je le sais. Mais il a son chargement d'or et on le rattrapera. Hé, hey, donnez-moi une bière. Bonjour, bienvenue, messieurs. Allez bien, frère. Oh, quelle poussière. Allez, hop là. On déménage. Bonjour, madame. Allez bien, on va voir. Hé, hey, cette bière, elle arrive? Oui, elle arrive. Hé, hey, donne ça! Il me semble que c'est ma bière que vous buvez. Ça ici. C'est un ordre. Qu'est-ce que t'attends? Enlève-toi. Allez, vas-y, vas-y, gros, te laisse-moi faire. Fous-lui une trompe! Allez, vas-y! Ne loupe pas, c'est un morton! Allez, défends-toi! Et vas-y, attaque-le, vas-y, fonce! Allez, fonce-lui dessus! Vas-y, tu l'auras! Mais regarde-le, regarde-le, c'est une bourbiette. T'en ferais qu'une bouchée, je te dis. Yes, et vas-y, allez, vas-y, tape fort, vas-y, tape lui dessus. Et... On s'en va. Oh. Allez, sortons. Vous n'avez pas utilisé vos revolvers, pourquoi? Sortir des revolvers devant une dame, jamais. Lâchez-moi! Je veux qu'on se lâche, d'accord?
Si on suit cette piste, dans 2 heures, nous arrivons à Douglas. Il y a la plus vieille église de l'Arizona à Douglas. Et il y a aussi 2 régiments d'infanterie sudiste qui ne pardonnent rien. Ou alors c'est trop dangereux pour Lloyd. Celle-ci, au contraire, c'est la vieille piste indienne. Je sais qu'elle traverse la montagne. Elle contourne le Glorieta Pass et elle arrive jusqu'à Yuma. Les voies de notre Seigneur sont infinies. Mais Lloyd ne peut avoir choisi que celle-là! Yeah! Quand on entend une vache qui meugle ainsi, c'est que personne n'a trait son lait de la journée. Et si on ne l'a pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lloyd est peut-être dans les parages. Hmm. Tu crois, Steele? Eh bien alors, on va jeter un coup d'œil. En avant. Ce ne sono altri di là. Ehi, amici, venite a vedere. Ça y est, j'ai eu bien raison d'aller à l'étable. Ah, pauvre vache. Oh. Ah, du lait presque tout chaud. J'en avais perdu le goût depuis très longtemps. Oh, oh. Oh, de Dieu. Ne blasphème pas, paysan. Sainte Vierge. C'est pas mieux là-haut. Les vêtements de tous les hommes ont été pris. Hé ! Les voir ça. Oui,
Il n'y a pas de doute, c'est le régiment de Lloyd. Ils ont fait ça pour voler des vêtements civils. Mais alors, pourquoi cet épouvantable massacre? Sans doute parce que les morts ne parlent pas. C'est encore chaud. Je sais où ils vont aller maintenant. La piste tourne autour du Mont Brisé, à peu près pendant 50 kilomètres. Ah. Ici, à mi-chemin, il y a la Glorieta Pass, l'endroit idéal pour une embuscade. Et la question, c'est de savoir s'ils vont passer là. Il n'y a que ce chemin qui peut leur permettre de charrier cette cargaison d'or. Un raccourci nous mènera par la montagne à Glorieta Pass. On les aura par surprise, ils ne s'attendront pas à ce qu'on soit à cet endroit. Oh, le pauvre Lloyd. Eh, je crois que tu peux le plaindre. Les mains et ne bougez pas. Allez, avancez. Il faudra que vous expliquiez à mes frères et à mon père ce que vous faisiez devant notre ferme. Je ne voulais pas entrer chez vous. Avancez, je vous dis. En route, c'est pas le moment de s'arrêter, venez. C'est pas tout ça, qu'est-ce qu'on fait de la fille? La fille, faut la laisser où elle est. Non. Elle va sans aucun doute alerter le shérif et il faut qu'on arrive à Glorieta. Et que Lloyd trouve la route barrée. Alors, tu es prêt? Oui, ils arrivent. Le feu de Dieu s'étendra et la montagne. Isaïe, chapitre 3. Thank you.
Aussitôt que la gorge sera bloquée. Ouais, on les tirera comme de vulgaires lapins. Ça va, ils ne se doutent de rien. La voie est libre. Allez, en avant. Hey, hey. Yeah, yeah. Oh, Seigneur, vous verrez quelle flambée ce sera. Que la mèche aille plus vite que le chariot. Ils ont bloqué le défilé. Allez voir par là! Non, on ne peut pas passer! Oh, je reconnais ces vêtements. Ils étaient à mon père! Imbécile! Mais qu'est-ce que vous attendez pour les descendre? Impossible, ils sont planqués là-haut, sergent. C'est le moment de tenter une sortie. Il faudrait essayer de les prendre par verre. Faites vite. Hé, 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 hé.
Dis donc, on n'avait pas prévu ça. Quelle idiote de fille, elle avait besoin de les avertir. Le chariot est passé. Il faut trouver un moyen pour se tirer de là. Il faut surtout retrouver le chariot. Pour arriver à les déloger d'ici, on doit les prendre par surprise. Alors vous nous couvrez, on les prend à revers. Ouais. Bon, contourne leur position et on les aura. Hé, hey, hey, attendez! Non, tirez! Allez, allez, petit, pas assez. J'espère que vous avez compris que ce sont les autres qui ont tué votre famille. Alors n'hésitez pas, tenez, prenez ce revolver et tirez. Et surtout, ne les ratez pas. Pour le moment, on est coincé ici. On ne peut pas bouger. Il fait trop clair. Oui, évidemment, Brent, mais je veux savoir où et comment on retrouvera l'or. Il a disparu. Je voudrais connaître les salopards qui ont eu le culot de nous faire ce coup-là. Ça doit être la bande des Carniceros. Assez qu'il se taise. Maman vous attend, venez. Regarde ça. Tes fils sont riches. C'est des lingots d'or pur, tiens. Hein? La Vierge de la Matrukata nous protège. Alors, mes grands, cette nuit, on fêtera ça. Oui, très bon.
maison des Carniceros. On s'amuse, dites donc, là-dedans. Tu parles. Ils fêtent leur nouvelle fortune. Mais combien ils sont dans cette famille, tu le sais? Oh, dans le temps, ils étaient tout un régiment. Oui, mais maintenant... Ils sont encore très nombreux. Oui, beaucoup trop. La mitrailleuse, elle est drôlement gardée. Hey, c'est la relève de la garde. Oui, ça veut dire que l'or est dans la maison. Ah, l'air, on est tout parfumé. Tu permets, oui. Non! Non, ne fais pas ça. Il y en a encore. Hé hey, qui veut jouer avec moi pour gagner un lingot d'or? Hein? Vous allez vous décider, oui ou non? Allez, courage. Vous avez peur. Qui veut emporter ça, hein, les gars? Mon mari joue. Maintenant, commencez. Mon mari mérite son or. Non, il ne l'a pas encore gagné. C'était à mon tour de jouer. Cet or t'appartient. Oui.
C'est très joli d'avoir retrouvé l'or. Mais le problème maintenant, c'est de le faire sortir d'ici. Ne bougez pas. Et un peu de calme, les gars. Oh, c'est vraiment gentil de prendre la peine de venir jusqu'ici pour nous rendre visite. Tiens, tiens, vous aussi, vous êtes là. J'ai de la veine, j'ai récupéré mon or et je vous ai retrouvé. Le Seigneur a exaucé deux de tes désirs à la fois, mon cher fils, remercie-le. Maintenant, si tu tiens à ta peau, t'as intérêt à ne pas nous jouer de mauvais tours. Très bien, ça va, je me rends. Engainez ça. Oh, le fantôme! J'ai l'impression que ça vient de ce côté. Allons jeter un coup d'œil. On dirait qu'il est mort. Non, il est seulement ivre mort. Quel sac à vin. S'il continue à boire comme ça, crois-moi, il aura des ennuis. C'est dérangé pour rien. Allez, dépêchez! Alors, allons voir. Dépêchez-vous, bande de fainéants! Allez, allez, grouillez-vous! Thank you.
Occupe-moi de la mitrailleuse. L'or est toujours où on l'avait mis. Francisco, Juan, Alvarez, Sanchez, poursuivez ces hommes. Allez, dépêchez-vous et tuez-les tous, pas de pitié. Allez, et plus vite que ça et que leurs cadavres pourrissent dans la montagne. Il est encore vivant. Imbécile ! Va rejoindre tes frères, qu'est-ce que tu veux que je fasse de lui ? Hey ! Tu aimerais bien ne pas mourir. Hein? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et là, on l'a eu. Ah!
Ton revolver. Descends, maintenant à nous deux. Les salauds reviennent. C'est la mitrailleuse qui les accueillera. Si vous tenez à la vie, je vous conseille d'ouvrir l'œil. Pourquoi tu reviens seul? Où sont nos frères? J'en sais rien, mais je ramène leurs chevaux que j'ai trouvés sur la route. Où sont passés les autres? Parle, ordure! Comment ils vont s'y prendre pour nous voler notre or? Réponds! Tu vas voir si tu refuses de parler, salaud. Mais je suis certain que tu parleras. Maintenant que les Mexicains savent que nous sommes là, on ne pourra jamais arriver à récupérer les caisses. On pourrait peut-être tenter une expédition en force. Ah, ils sont trop. Non, on ne pourra les avoir que par roublardise. Ouais. Moi, je voudrais bien tenir les trois salopards qui nous ont possédés. Hé, hey, venez! Nous avons l'or! Ne tirez pas! Vous n'avez rien à craindre. Avancez. Mais attention, n'essayez pas de nous tromper. Vous en faites pas. Dérangez votre artillerie. Où est-il? Eh bien, avant, il faudrait qu'on s'entende sur le partage. Je suis d'accord. Mais dites-moi où est l'or. Regardez. Tout ce que vous nous apportez, c'est de la charogne. Vous avez un lingot à la place du cœur. Respectez au moins ces morts, Lloyd. Ils étaient de bonne famille. Ces deux cadavres vont nous conduire au magot. Vous avez un plan?
Pourquoi ne pas l'exécuter sans nous? Bien voilà, si on avait quelques hommes en plus, ça nous aiderait. Et puis, il y aura certainement une belle bagarre. On a besoin de renforts. Pourquoi tes trois frères ne sont pas ici? Où sont-ils? Dehors, c'est leur tour de garde. Restez assis à ne rien faire, pendant que les autres travaillent. Travaillez. Travaillez en paix, chers frères. Et vite, car les nuits sont très brèves. Tu n'as pas bu? Tu n'as pas soif? Ah, c'est parce que l'eau est chaude. Celle-ci est bien fraîche. Là. Ça ne te fait pas envie? Hein? Je t'assure que c'est bien agréable de boire quand on a soif. Je te jure que tu vas parler. Tu as compris? Je saurais bien t'y forcer. Ça, plus personne ne pourra te questionner, traître. Nous allons tous mourir, je le sens. Maledetti gringos! Maledetti! Ah!
Rascal Cartevoy. Quand cette bande d'assassins reviendra tirer dessus, mais n'étouffez pas. Vous entendez? Je veux les achever moi-même. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu dors, espèce de fainéant, tu n'as pas le droit de dormir. Alors c'est comme ça que tu montes la garde? Tu mériterais que je te tue. Ne bois pas, espèce d'animal. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va à ton poste. Et toi aussi, tu dois monter la garde. Si tu as froid, je vais te réchauffer. Qu'est-ce que tu attends pour prendre ton fusil? Écoutez-moi bien. Tirez, tirez. Sur tout ce qui bouge, et même... Tirez sur les autres, comme ça. Doucement. Allons. C'est une excellente idée. Donne-moi le foulard. Tiens. Cigare. Il est trop long. Attention à ce que tu fais. Bien. On peut le boucler et l'envoyer. En sorte que tous ses péchés lui soient pardonnés. Aussi, je te prie, Sainte Mère de bien. Rappelle-toi ce qu'a promis le général.
Regardez qui vient ici. Bonjour, mon lieutenant. Comment va la demoiselle? Vous savez, on est parti par discrétion. C'est qu'on vous connaît, les bonnes Les vieilles. Enfants, vous avez bien travaillé. Bravo. Compliment, vous avez remarquablement exécuté votre mission. Cette précieuse cargaison a été sauvée grâce à vous. Mais je suis navré de vous contredire. Cet ordre, vous ne l'aurez pas. Allez, levez les mains. Non, il ne parle pas sérieusement. Nous avons vaincu le Major Lloyd et toute sa compagnie. Nous avons liquidé une bande de furieux Mexicains. Et un lieutenant tout seul voudrait nous épouvanter. Assez, je n'ai pas du tout envie de plaisanter, messieurs. Hey, vous croyez qu'on peut avoir envie de blaguer avec un pareil chargement? Alors vous rengainez votre pistolet et vous rentrez chez vous. Certainement, mais j'ai décidé d'emporter l'or. Et j'ai envoyé la jeune fille chercher quelques vieux amis à moi. Ils vont arriver bientôt. Alors un peu de patience. Hé, hey, venez voir. Je crois qu'elle s'est trompée, la demoiselle, lieutenant. Oui, j'ai l'impression qu'elle vous a envoyé un détachement de l'armée nordiste. Et c'est Abraham Lincoln qui aura l'or. Halte ! J'attendais ce moment depuis longtemps. À vos ordres, capitaine Richardson. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi nous. Quoi? Assez, ça suffit. Ça me paraît étroit, lieutenant. Je sais qu'on doit mourir bientôt, mais avant, laissez-nous le temps de creuser. J'espère que notre trou sera ainsi un tout petit peu moins inconfortable. J'ai dit assez, ça suffit. Remontez. C'est bon, c'est vous qui commandez. Mais en tout cas, il faut respecter les dernières volontés de pauvres gars de l'armée sudiste. Peloton prêt? Mon lieutenant, pourrait-on fumer un dernier cigare avant de mourir? Ouais. Alors, dépêchez-vous. Je voudrais dire quelques paroles à ces pauvres pêcheurs. Maître de miséricorde, Dieu, toi qui as une vision du monde beaucoup plus large que les mortels, je t'en prie, pitié de nous. Je t'en prie, Seigneur, pardonne également à nos ennemis. Oh, c'est bon, finissez ce galimatien grotesque. Arme sur l'épaule! Seigneur, Anjou! Que ta volonté soit faite, ainsi soit-il. Couchez-vous! Donne-moi un coup de main. Apportez la mitrailleuse, vite! Récire tes tirs, mon Dieu! Avec la mitrailleuse, on ne peut rien faire. Heureusement qu'il avait de la poudre. Dépêchez-vous, il ne reste que 2 balles dans le chargeur. Il ne doit plus avoir de munitions, venez!
Attention. Allez, viens, en route pour le Mexique. C'est la tuile. J'y comprends rien. Logan est au diable. Lloyd est mort, c'est évident. Et les Carniceros reposent en paix. Vous allez voir que c'est notre ami le général qui veut nous donner une médaille. Tiens. Général. 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 Ça suffit comme ça, c'est plaisanté. La cargaison d'or va s'acheminer vers le Mexique. Mais cette fois, elle voyagera sous bonne escorte. Venez ici. Vous avez très bien rempli cette délicate mission. Et vous avez liquidé l'espion Logan qui espérait s'emparer de tout notre butin. Alors, vous saviez que Logan était un espion nordiste? Oui, mais j'étais persuadé que mutuellement, vous vous surveilleriez. Je vous avais promis de vous faire grâce à condition que vous fassiez votre devoir. Je tiens parole. Vous êtes libre. Mais surtout, ne revenez jamais dans cette région. Et la rançon pour la capture de Lloyd? Soyez tranquille. Je ne l'ai pas oublié. Barnes, donnez-leur des chevaux. À vos ordres. Et avertissez-les que je leur donne 24 heures pour aller voir d'autres cieux. S'ils revenaient malgré ma défense dans ce pays, l'amnistie dont ils ont bénéficié ne serait plus valable. Je vous salue. Hey, qu'est-ce que t'as à rire? Prenez livraison du chariot.